Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire pendant l'accéléré. Et on se retrouve juste après. Bon visionnage. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Thank you.
De retour après notre accéléré. Et donc, on a pu voir la construction du bâtiment pour le restaurant. Donc, un petit bâtiment. Parce que, premièrement, je n'avais pas énormément de place à cet endroit-là. Et puis, je sais pas si vous voyez en bas, mais on est déjà à 89% du parc. Donc, je me suis dit, finalement, ça sert à rien de faire trop de détails. J'ai quand même fait voilà le minimum, c'est-à-dire un espèce de présentoir avec avec les menus là-haut et autres, quelques tables et chaises, la terrasse avec la vue sur la cascade ici. Donc je pense que ça suffit compte tenu du contexte, c'est-à-dire le fait qu'on soit sur console et que je ne puisse pas construire en illimité, sachant qu'il me reste toute une partie du parc à faire. Donc le mieux pour moi je pense c'était de laisser comme ça. En ce qui concerne la végétation, je sais pas si vous avez dû remarquer pendant l'accéléré que j'en ai pas mis partout. En fait moi j'en mets juste bon là j'ai laissé ouvert ici afin que les visiteurs puissent voir la cascade. En fait je vais juste en mettre pour que ça fonctionne bien au niveau de la vue visiteur, même si je sais que en vue aérienne il y a plein d'endroits où c'est vide, mais tant qu'on est en vue visiteur et que la végétation ne choque pas, donc je pense que ça va, donc je vais faire comme ça. Voilà, c'est ça que je vous disais au niveau de la végétation, j'en mets vraiment juste pour barrer la vue pour les visiteurs, et puis le reste, on s'en fiche. Donc au final, on a fini notre zone parc aquatique, elle est totalement finie. Donc il y a la piscine principale, il y a le bar... Le bar club, il y a le bar sur pilotis, on a la plage, on a les toboggans, on a les jacuzzi, la lazy river, la rivière calme, la zone kiddie, les toboggans ici, le restaurant et le bassin pour le plongeon. Donc je suis content, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire pour ma zone aquatique. Donc, je suis assez content, ça avance bien et on est proche de la fin. Et donc avec les 11% qui restent, je dois finir toute cette zone. Je pense que c'est jouable. Et également faire ce restaurant-là. Donc on va essayer de se faire ça très prochainement. Je pense qu'il reste deux épisodes pour cette série. Et puis après, je mettrai la map en téléchargement sur le workshop. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne sera une vidéo récap de Twitch. Et juste après, ça sera une vidéo tuto. Donc très important, mettez-moi dans les commentaires quel tuto vous aimeriez voir sur Planet Coaster. Que je regarde un peu ce que vous attendez le plus, et puis je vais sûrement faire ça. Enfin, ça dépend aussi de ce que j'avais prévu également dans mes plans, mais si ça correspond ou si c'est quelque chose qui est assez faisable au niveau du timing, je le ferai quoi. Donc voilà, donc merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.